Bonjour. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors apparemment, c'est la pagaille sur Twitch. Twitch est tout cassé. C'est terrible. Bon, on espère que ça va bien se passer quand même. Que PronoCart va fonctionner. Bien sûr. On croise les doigts. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas. Que vous avez passé un bon samedi. Comme prévu, on va jouer à Mario Kart ce soir. Je rappelle également que demain, il n'y aura pas de Among Us Rollus parce que je me fais une petite pause. Enfin, je réduis un peu le rythme, en fait, sur l'Among Us Rollus. Donc, ce sera une semaine sur deux, probablement environ. Et donc, demain, je ne le fais pas. Mais je le ferai probablement dimanche prochain. On aura quand même Among Us Dingus mardi. Et je sais pas, je ferai peut-être d'autres trucs. Peut-être, en vrai, demain soir, peut-être je ferai un petit Trackmania. On verra. C'est pas impossible. On va aussi organiser probablement pour le mois de septembre ou pour le fin août un GeoGuessr avec Nema et avec Bribri et Fucano. Et on va sortir de la France. Ça peut être très 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 sympa. Voilà. Parce que voilà, Magikarp Gaming qui dit « J.I.D. s'embrouille avec les Rollus, explication !» Voilà, je clarifie, tout se passe très bien avec les Rollus. Simplement, je prends moins de plaisir, vous l'avez constaté, hein, je prends moins de plaisir, non pas à cause des joueurs, mais à cause du jeu. En fait, le Among Us, en rajoutant plein de rôles, etc., ça me pète trop la tronche, sachant que déjà quand je joue à Among Us classique, pour emmagasiner juste le passing des gens en temps réel, des fois j'ai du mal et ça me demande un effort. Et du coup quand c'est avec les rôles, c'est un peu plus fatigant. Salut, est-ce que je peux jouer avec toi? Bien sûr, si tu as ta Nintendo Switch ainsi que le online et le jeu Mario Kart 8, en fait, tu lances Mario Kart 8, tu vas dans jeu en ligne et ensuite tu vas dans la catégorie tournoi. Et dans la catégorie tournoi, il y a une catégorie qui s'appelle entrer un code. Et là, en fait, il faudra entrer rapidement le code que je vais mettre dans le chat dans 1 minute et demie. Dans 1 minute et demie, 2 minutes. Je vais mettre un code dans le chat qui sera le code du tournoi et vous pourrez toutes et tous rejoindre en rentrant ce code là dans la catégorie jeu en ligne, tournoi, entrer un code. Voilà. Alors. Salut Sophie. Ah oui, alors si la connexion est pas ouf, surtout que Twitch Twitch, ça demande quand même pas mal de connexion, mine de rien. Merde, je sais plus si je viens de supprimer Annick Girardin 186 ou Annick Girardin 187. Moi, je crois qu'on avait fait le tournoi Annick Girardin 187 la dernière fois. Donc là, ça doit être le tournoi Annick Girardin 188 qu'on doit faire aujourd'hui. Passe une bonne soirée, Sophie, en tout cas. Annick Girardin 188. Non, Twitch bug, ce n'est pas à toi, c'est Bern. Il y a un problème de... Twitch a un problème ce soir. C'est pas toi. Alors, IA difficile. Oui, on laisse la conduite assistée. Période fixe, donc du 5 à 18h au 6 à 19h, c'est bien. On va mettre 16 courses, on verra ce qu'on fait pour la suite, mais on va mettre 16 courses et le code requis. Et on est bon. Ok, je vous mets le code dans le chat. Je vais également l'épingler. Mais du coup, vu que Twitch est tout cassé, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Donc si jamais, voilà, vous pouvez rejoindre à partir de maintenant si vous avez lancé Mario Kart 8 Deluxe.
Le code, c'est donc 4857 67 78 5003. Il y a des gens, ils peuvent même pas regarder le stream. C'est bon, Guzi ? Je vais devoir arriver dans le jeu, là ? Ah, enfin, ça fait 5 minutes que j'essaye d'envoyer mon message. Ah non, mais d'accord ! Il y a vraiment des problèmes, genre. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué à MK, donc mon niveau risque d'être catastrophique. Alors dites-vous un truc, si vous avez l'impression que votre niveau est catastrophique sur Mario Kart, et en particulier sur les lobbies aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes catastrophique, c'est les autres qui... ne se lavent jamais parce qu'ils passent tout leur temps à jouer à Mario Kart 8. Je suis désolé, c'est une réalité. Là, test de QI, voilà, test de QI raté déjà pour quand même 3 personnes, peut-être 4. On a 3 personnes qui ont raté le test de QI, bien sûr. On rappelle que Riverside Park, c'est la vie. Et que le reste, c'est... Ok, c'est bon. Donc, vous pouvez faire vos pronos dans le chat. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais joué à Prono Kart, point d'exclamation Prono Kart si vous y arrivez. Ah mais putain, du coup, là, comme les gens peuvent pas forcément envoyer des messages, ça va être giga broken. Ça va être broken pour les gens qui arrivent à envoyer des messages dans le chat, du coup. Bah, faites vos pronos, hein, j'espère que ça fonctionnera. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais joué à Prono Kart, c'est un jeu totalement gratuit. Où le but c'est de faire des petits pronostics sur la place que je vais faire à la fin. Et vous pouvez gagner des points qui sont des points qui servent à rien. Mais c'est juste pour faire un petit classement. Et à la fin de la soirée, la personne qui a le plus de points a gagné. Voilà, vous savez tout. Oula, un peu serré ce dérapage quand même. Spoum qui est devant. Et vas-y, les objets ils puent, hein. Non mais vas-y, j'ai la pièce en deux, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces objets de merde? Bah je préfère. Voilà. Bravo les gens qui avaient prono 1 bien sûr. Bravo pour vos 240 points. Bon, il y a quand même des gens qui réussissent à utiliser le chat visiblement vu le nombre de gagnants. Bravo Guzi pour ta deuxième place. Ouf. Bon, déjà, je vais pas prendre celui qui est à gauche, c'est sûr. Nous aimons bien. Allez, moi je mets celui-là. Avec ces bonnes nouvelles de bonheur en... Merci, Sergent Pépère, pour ton quatrième mois. Je sais pas comment se prononce ton pseudo. Est-ce que c'est à l'anglaise? Je sais pas. Mais en tout cas, coucou à toi et merci beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. Oh le lagon tourbe. Oh le lagon tourbe. Qui a besoin d'un lagon tourbe dans sa vie? Personne, je crois. Hein.
Aïe. Oh, le double objet qui me passe sous le nez, c'est grave. Vas-y, j'avais peur qu'il me passe sous le nez encore, donc j'ai pris un seul objet. Qui est pas mal, mais est-ce que je l'utilise maintenant? En vrai, je vais l'utiliser maintenant parce que j'ai toujours peur de ce qu'ils peuvent avoir derrière. Mais ils vont gentiment attendre que j'ai terminé mon étoile pour m'envoyer un truc dans la tronche, non? Voilà, banane en 4, mais ça fait super mal. Pourquoi les objets, ils sont aussi low aujourd'hui? Enfin, je dis ça, j'ai eu une étoile en 5 ou 6, mais bon. Comment j'ai... What? What? J'avais encore le bout? What? Eh, vous êtes cuits là tous les deux. Comment il a fait Gaspard pour rien se prendre? Wesh. Action replay hein. Là je crois que je suis cramé hein, définitivement. Hein. Quoi? Ça aussi par contre. Quoi? Non! 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 Je le veux. Je le veux plus. Vas-y, derrière, ils ont un stock de rouge. Ouais, quatrième, ok. Bravo les gens qui avaient prono la quatrième place. Bravo pour vos 222 points. Pour le classement, pour l'instant, tous les gens qui avaient prono 1 la fois d'avant sont à égalité, mais en vrai, les gens qui ont récupéré, vous êtes pas loin derrière. Attendez, faut juste que... Je rappelle ça pour quelqu'un qui m'a écrit un truc sur Discord dans le chat. C'est ça, hein, la commande? Voilà. Voilà, pour la personne qui m'écrit et qui est anonymement sur le chat, important. Comment je prono? Alors pour prono, c'est très simple. Il y a un temps imparti. Quand c'est marqué au-dessus de moi, en gros. Et en fait, il faut faire point d'exclamation prono. Et vous mettez un nombre entre 1 et 12. Attention, je précise, Guzzi, vu qu'en même temps, tu joues avec moi à Mario Kart, tu n'as pas le droit de me laisser passer pour faire gagner ton prono. Tu joues au mieux pour essayer de faire la meilleure place possible, comme normalement dans Mario Kart. Mais tu n'as pas le droit... en même temps faire un prono exprès, enfin faire un truc exprès dans le jeu qui soit que t'aurais pas fait en temps normal quoi. Voilà. Et pareil pour Spoom qui a posté son premier message dans le chat. Merci pour le petit commentaire sur Prono Kart, ça fait super plaisir. Et pour Guzzi, attention, faut que tu mettes point d'exclamation prono, mais après faut bien mettre un numéro, sinon là t'as juste mis point d'exclamation prono mais t'as pas mis de numéro entre 1 et 12, donc ça va pas marcher. Ok. Hop, les. Oh, allez, on le tente. Hop là, j'aurais jamais dû utiliser mon Champlard maintenant. Putain, aussi, faut que je retienne la méta que Ponce, il avait dit dans... Enfin, la méta, c'est vraiment pas une méta, mais... Le truc que Ponce avait dit dans une vidéo, c'est... en fait, quand on fait un virage dans Mario Kart, on va plus lentement que si on va juste tout droit. Apparemment. Oh non, Fouini Babe! Ah, ok. Si on va juste tout droit sans toucher au joystick, apparemment, on gagne un peu de vitesse. Donc, intéressant, en vrai. Oh, Gaspard.
Est-ce que j'utilise... En vrai, j'ai peur qu'il y ait une foudre, alors je vais utiliser un. Ouais. Non, allez, il est encerclé par ma verte, là. Mais sérieux. C'est abusé. Déjà qu'on fait cette map horrible. J'ai failli me prendre ma propre verte. Et ça pourrait être maintenant que je me la prends. Ah, enfin, Gaspard, il se prend mon objet. Bon, de toute façon, le premier est premier. Je crois que ça sert à rien à ce niveau-là de chercher à l'arrêter. Il va juste me backspam sa verte. Non, même pas, d'accord. Ok. Et ben bravo les gens qui avaient prono 2. Bravo les gens qui avaient prono 2, vous gagnez 228 points. Ima, 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 Razor Shark, Petite Loutre, Jen Jen, Blueberry, Tirlititi et Bad Wolves. Bravo à vous. On a 4 personnes qui sont en tête. Putain, mais ils nous mettent tout le temps reverse arrive. Je m'en fous, je la revote. Allez, je la revote. J'en ai rien à foutre, je la revote. On a 4 personnes qui sont à égalité pour l'instant, c'est le début, donc voilà. Le premier est premier. Non mais t'as très bien compris ce que je voulais dire, Elshin Mort, quand j'ai dit le premier est premier. Je voulais dire, des fois, tu vois, quand t'as une personne, elle est devant toi vers la fin, tu peux tenter le tout pour le tout et réussir à mettre bim plus tu le doubles. Tandis que là, c'était impossible. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous voyez que vous n'allez pas réussir à niquer le premier et que vous êtes vers la fin, vous restez avec vos objets en défense pour maintenir votre seconde place. Et j'ai pas vu si on était 11 ou 12. On est 11. On est 11, il y a là qui tue. Coucou, angle. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Il y a des objets ici, ok. Je suis jamais passé par là, je crois. J'ai tenté un truc. Quoi ? Ah, il m'a eu en wifi le bâtard. Vas-y, ça c'est mon petit passage que personne ne prend. Peut-être parce qu'il prend un quart d'heure de plus, mais c'est pas grave. Ah. Ah, vous envoyez des boulasses, j'envoie des boulasses, hein. Ça marche comme ça ici, hein. Vas-y, les pièces. J'ai tellement pas de pièces en vrai, c'est très chaud. Oh, viens là, viens là. Oh, bizarre, il veut pas venir. Oh non, Jean Étoile. Merci Jean Étoile, tu régales. Merci Spoum. Merci beaucoup, tu m'as sauvé, hein. Ah ! Oh, Spoum, grâce à son étoile, ça m'a mis extrêmement bien parce qu'en fait, il a soulevé le train. Par contre, là, je suis un peu moins bien. On va pas se mentir que là, le prono 10 peut être intéressant. Alors... stop les champis en vrai. Il m'a tellement eu en wifi, c'est hyper grave. Vas-y, en plus je peux même pas dire... Oh là là, la game est catastrophique. Non, 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 c'est... Oh, putain. Vas-y, prends bien ton temps pour voler un objet surtout. Allez, j'ai doublé un man sur la fin, mais ça reste assez laborieux. Est-ce que des gens ont tenté le top 9? Je crois pas, hein. Si! Oh, Noctisum. Oh, Noctisum qui a gamble ce prono 9 et qui a eu raison. Regardez-moi ce classement. Noctisum qui passe directement en tête avec quasiment le double des autres joueurs. C'est très, très fort ce qui s'est passé. Et ce sera... Ah, Londres ou le pays neigeux. Allez, Ah... Pays neigeux.
Le niveau de cette room, tu te prends un truc, tu te fais allumer par 25 000 machins. Exactement. La vache, route arc-en-ciel 7, let's go! Route arc-en-ciel 7, les amis. Ok, je vous le dis cash. Non, je vais attendre que les pronos se terminent. Je vais faire mon prono après. Ok, allez, ça devrait être bon le temps que je le dise. Moi, je vais prono top 2. Voilà, je vous le dis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. Oh merde, oh la boulette. Tu m'as dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. En vrai ça balancerait une bleue, je serais trop heureux. Ouais. Bon là c'est ce que je craignais, je me retrouve dans la situation que je voulais pas. Ouais. Non, non, je vais avoir la pièce là, forcément. Et ouais. Oh, le snipe banane. Qui est cette personne malveillante derrière, là? Ok. Ah, c'est chaud. Je sais pas trop, là, comment le jouer. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Let's go. Oh, le dodge de la carapace rouge avec une bombe en virage, ça fait toujours très très peur. J'ai eu beaucoup de bol, je pense, quand même. Et bravo les gens qui avaient prono 1. Oh, pitié. Oh, le test de QI. Je suis dernier, j'ai la bile, pas le temps de la lancer avec ce putain d'éclair terrible. On n'est plus que 11 à nouveau. Allez, tac, tac. Bon. Map de fou. Si vous n'avez jamais vu cette map, si vous passez une fois de temps en temps et que vous vous intéressez pas plus que ça à Mario Kart, c'est une des maps de la dernière vague sur la ville d'Athènes et elle est incroyable, elle est vraiment géniale. J'aime tellement le mood, j'aime tellement le décor, j'aime tout en vrai sur cette map, c'est un truc de ouf. Ah ouais, là il y a un cut de zinzin, mais je sais plus comment faut faire. Pas comme ça visiblement déjà. Alors là, le half-pipe, il y a des objets, mais ça implique un détour.
Oh putain, pourquoi je fais un virage aussi serré moi aussi, quel connard. C'est pas parce que je veux pas le half-pipe qu'il faut... Hein. Là, il me semble que ce cut est nul, ça va nous faire sauter de manière bizarre. Non, ça va. Ok, j'ai pas eu la banane et je pense que j'ai eu beaucoup de chance en vrai. Il faut que je garde un champix a priori pour le cut. Wow, c'est bon ça. Ah. Allez. Oh là, par contre, il y a un cut de légende. Mais faut réussir à le faire, je sais pas si j'y arrive encore. Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal en vrai. J'ai que des champis, c'est abusé. Ah, c'est bien ça par contre. Oh, la rouge qui est pas partie sur moi. Oh. 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 Bizarre. Et maintenant, il y a plus de champis maintenant qu'il y a les cuts. Non mais je suis dégoûté. Ah, oh, j'ai rien pour le focus, je suis abattu. Il y a pas de ligne droite un peu là? Si, il y a ça, mais oui d'accord, c'est la fin de la map quoi en fait. Je vais la prendre dans la gueule ma verte. Ok. Je crois que ça va être top 3 non négociable. Hein. Peut-être top 4 même. Ok. Bien joué les gens qui avaient prono 3. Très fort. Mais ouais, la map est trop cool, hein, c'est abusé. Allez, on continue sur les maps du dernier DLC. Avec la route claire de lune. T'es pas la grosse révélation, même si... Enfin, en fait, c'est la grosse révélation dans le sens où personne s'attendait à voir cette map dans le DLC. Mais par contre... c'est pas ma map préférée, vraiment. Elle est sympa, elle est ok. Elle est très autoroute Todd tiers en termes de level design en vrai. J'ai prono 3, ça a pas marché. Vas-y, je vais vérifier Guzi, je vais vérifier le problème. Alors Guzi, où es-tu? Je te vois pas. Alors déjà, je vois pas ton message, donc c'est peut-être pour ça. Attends, Guzi qui a prono 3 et ça n'a pas marché. J'essaie de trouver ton message, Guzi, je le vois pas. Guzi. Ça fait point d'exclamation prono 1. Donc c'est normal, vu que t'as prono 1, que t'es pas gagné. Et voici donc la route claire de lune. Ouais, non. Qui est rentré dans la bombe normale. Ok. C'était pour le plaisir de... Hein? Faut arrêter le wifi hein, un peu. Hein. Ok, c'est pas mal. Ah, j'aurais préféré avoir un petit objet, j'avoue que ça aurait pu être vraiment bien. Et une petite aspiration, ça aurait été cool aussi. Ouais, bon, je suis un peu allé dans les boulasses. Mais Link! Ok, toi reste devant hein, du coup. Hein. Reste devant tranquille, je check derrière si tout va bien. Ouais, j'aurais quand même lui mettre ça. Il reste un tour, ça peut se jouer maintenant. Hein? Oh, il est beau.
Le snipe boomerang est beau, y a rien à dire. Bravo les gens qui prennent la troisième place. Ah oui, ne pronostiquez pas avant le début des pronos, bien sûr, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, je vote le DLC, même si j'aime beaucoup Temple Tomb également. On est 12, faut que je remette 12 dans Prono Kart. Hop là. Guzzi, j'ai pas lancé les pronos. En fait, c'est pour ça que ça marche pas. C'est que si tu fais les pronos avant que je lance, ça marche pas. À chaque fois, j'attends qu'on ait trouvé. J'attends que la map soit affichée parce qu'il y a des gens, ils veulent pronos en fonction des maps. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. C'est vrai que c'est pas pratique de jouer en même temps à Prono Kart et en même temps à Mario Kart, et j'en suis désolé. Mais en fait, c'est aussi pour juste pour permettre aux gens qui ont beaucoup de décalage de pouvoir voir la map avant de faire leur prono, en gros. Quand même beaucoup de banger, hein, dans les musiques de MK, mine de rien. Bien vu ça. Double rouge, ça fait tellement mal et tu peux rien faire dans ce genre de situation. Oh, Daisy, bizarre. J'avoue que le dodge éclair me met bien. Après avoir. Est-ce que je suis quand même à poil là? Ok, la bleue me met bien aussi, ça y a aucun doute. Le fait de pas avoir pris d'objet, bof. Et de me prendre la banane, pas terrible. Et de me prendre cette verte, pas terrible. Et de me prendre cette étoile, pas terrible. Et... Ah. Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance un peu. Yann. Vas-y, l'objet est à chier. Eh bien, c'est une 7ème place. Est-ce que des gens avaient tenté la 7ème place? C'est une place qui est pas beaucoup votée, ça. Oui. Ah oui, oui, carrément, oui. Bravo, les gens qui avaient tenté la 7ème place. Alors, au classement, on en est où, d'ailleurs, au classement? C'est Yamagic et Ikari qui sont tous les deux en tête. D'accord. Attends, Virali, avant de faire le prono, c'est trop tôt. On n'a pas encore lancé les pronos. Ce sera le premier circuit du jeu.
Ok, c'est bon, Guzzi, cette fois t'as fait ton prono dans les temps. Yes, très bon départ pour moi. C'est une strat pour avoir plus d'objets, vous inquiétez pas. Regardez, les objets vont être fous là. Regardez, ça va pas du tout être champi. Hein, bizarre. Et hop là, voilà, déjà gagné 5 places. Ouhou. Elle a été visée cette carapace, moi je vous le dis. C'est vraiment de la merde le double champlard à ce moment-là. Ouais, il est très con à jouer ce champi en vrai, mais c'est pas grave. J'ai vraiment eu du bol de rien me prendre hein, par contre. Et ça me va. Alissa va m'embêter avec ça. Cargaison de verte. Putain, forcément j'ai pas de champi à la toute fin, j'ai eu que des champi pendant toute la game. Et là plus rien quoi. Bravo les gens qui avaient prono 3, j'ai tout donné hein, sur celle-là, hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. Bravo les prono 3. On peut encore rejoindre ou pas? Alors dans la room là, il n'y a plus de place. Méga doudou, mais je referai un deuxième tournoi après, mais là c'est un tournoi de 16 courses donc il va falloir attendre un petit peu, mais je referai un deuxième tournoi après et voilà. Et bravo Elise, peut-être l'autre Elpiz, Daddy Chou et Unswin pour vos 237 points, félicitations. Putain, tous mes pronos sont pas bons, t'inquiète, ça viendra. 1000 Foxtrot. Oh, qui a voté? Oh, le test de QI. Oh, aïe. Non, en vrai, c'était une personne qui était pas là quand on l'a déjà fait. Yann. C'est toi, Yann? T'as voté ça, Yann? La map qu'on a déjà fait? Et qui ne porte pas énormément de... Bref. Aïe. Ok. On va tenter... Pas grand chose. Hop là, petit dodge de l'étoile. Voilà. Voilà, Christophe. Tu connais. Il n'a pas réussi à boulasser Alissa. Merci à Walider pour ton deuxième mois. Merci beaucoup pour ton soutien, c'est adorable. Merci. Merci les gens qui ont les moyens de sub et qui le font, vous régaler. Ça aide beaucoup. Merci infiniment à vous. Eh, pour avoir ça en quatrième, le premier il doit être loin un peu. Hein. Allez, foudre. En vrai, il va y avoir une foudre un poil plus tard, je pense. Parce que...
Faut attendre que le dernier il ait la ligne d'objet. Non, bah non. Si c'est pas tombé là, ça tombera au prochain objet probablement. Oh, vas-y, j'ai cette merde avec lequel on peut pas se défendre, je suis dégoûté. N'empêche, en vrai, la plante piranha, c'est pas devenu un perso genre trop important dans Mario entre... genre... jouable dans Smash. Jouable dans MK avec Flora Piranha. Bien mise en avant dans les obstacles du film Mario. Et deux circuits qui vont sortir dans la prochaine vague dédiés aux plantes piranha. C'est beaucoup quand même. Bientôt il y aura un jeu plantes piranha. Vous vous rendez compte que quand même, mine de rien, dans Smash on a eu plantes piranha et on n'a pas Waluigi quoi. Dinguerie. Oh le film Super Piranha Bros. Ah, alors ça c'est le dernier DLC. Mais moi j'ai une grosse préférence pour celui-là. Allez, exceptionnellement je vais voter celui-là. T'inquiète Redsto, t'inquiète. Ah, on est plus que 11. Je crois qu'on est... Attendez, 3, 6, 9, 11. La personne qui demandait pour rejoindre, sachez qu'il reste une place. Alors par contre, j'ai pas noté le code. Je l'avais posté dans le chat, je sais pas si quelqu'un l'a mis dans son presse-papier ou quoi. J'ai plus le code de la room, mais il reste une place. Si jamais. Voilà, merci petite loutre qui a reposté le code dans le chat. La personne qui voulait rejoindre, il y a une place qui s'est libérée. Si jamais... C'est déjà la 11e course de toute façon, donc en vrai... dans 5-6 courses, ce sera parti pour un nouveau tournoi. Où on priorisera les gens qui n'ont pas pu join la fois d'avant, bien sûr. Quelle map exceptionnelle en vrai. Vraiment un move de clébard ce que je viens de faire, hein, mais... C'est pas le bot là qui tue ? Ouais. Appelé. Attends, quoi? Quoi? C'est la personne en build là? Il y a une personne en build qui m'a doublé en top 1. Normal quoi. Non, il faut utiliser. Oh, Yann, c'est bien joué, c'est bien joué. Eh, vas-y, j'ai été premier toute la game. J'ai utilisé mes objets n'importe comment, mais... J'étais en stress, hein. Septième encore, vas-y, j'ai tout donné, je suis septième. C'est quoi ce level, là? C'est quoi les gens qu'il y a dans ce lobby? C'est injouable. Bravo Emlindé pour le bon prono. J'hésite à venir me faire détruire au prochain tournoi ou regarder bien sagement. C'est toi qui vois, Gondar.
Ok, on est de nouveau 12. J'ai cru qu'on allait encore se taper Stade Wario de merde. J'aurais dû le focus sur un bon timing en vrai. J'ai utilisé... Oh d'accord, ok. On peut pas enchaîner totalement deux objets, je viens de le capter. Parce que j'ai vraiment fait double clic quoi sur le bouton. Chier. En plus avec les boulasses là. Ce cut, j'ai jamais trop compris. J'ai l'impression que même avec le champi, il est pas intéressant. Donc en fait, un cut qui n'est intéressant dans aucune situation, bah c'est pas un cut. Hein. Ça, pareil, c'est un peu dangereux, ça, ce que je fais là. J'aurais dû... Putain... Bon, on a au moins le champi pour démarrer un peu plus vite, mais ce sera pas suffisant. Tous ceux qui ont eu des objets après, ils se mettent bien par contre. Hein. C'est pas pour moi. Cinquième. Bravo les gens qui avaient pris la cinquième place, il y a encore une place qui s'est libérée, deux places qui se sont libérées. Ok, c'est parti. Attends, quoi? On a... Qui a raté le test de QI? Qui c'est qui a raté le test de QI? Hey, cette map, on l'a fait depuis 98, s'il vous plaît. On fait cette map depuis 1998, est-ce qu'on peut arrêter un moment? Je l'aime beaucoup en plus, hein. Mais juste, bah, il y a des nouvelles maps, quoi. Bon, c'est pas grave. Oula. Ouais, ça passe, ça passe. On va aller chercher. Ça suffit maintenant. Non, c'est de l'acharnement. C'est dur à remonter cette map là en plus de mémoire. Merde. Oh, pile quand le bout il s'est enlevé, vas-y. C'est catastrophique, hein. Objet de fou, j'en fais pas grand chose.
Il va y avoir un éclair bientôt là. Putain, j'ai un objet de merde hein, au moment où il va y avoir un éclair. Il n'y a pas d'éclair. Mais en vrai, je pense qu'il va y en avoir un. Putain, le bloop, j'avais oublié qu'on pouvait avoir cet objet. Ça faisait une vie que j'avais pas eu le bloop sans objet. Merde. Après, je suis pas bon hein, des fois. Je fais des moves chelous. Il se l'est vraiment prise, on dirait. Oh, top 1, Gaspard, imbattable. Bravo, les gens qui avaient prono. La deuxième place. Il y a beaucoup de gens qui avaient prono 2 en plus. Hein, ça vous met bien, en vrai. Alors, le classement... Ok, il y a plus d'égalité... Il y a une égalité à 2e et 3e place. C'est à égalité entre Yamagic et Ikari Life. Mais c'est Ima qui redomine le podium actuellement. Full malchance au nom 1 place près 3 fois d'affilée. Ah, une place près 3... Ok, c'est bon, j'ai compris. Une place près 3 fois d'affilée. Oui, bah les pronos, c'est souvent ça. Malheureusement, c'est très très commun dans PronoCart. Désolé. Si un jour je suis riche, je mettrai une feature où les gens qui ont pronos à côté, ils ont quand même un petit dédommagement de points. Genre, je sais pas, 10% des points. Mais bon... C'est cher de rajouter des features. Ok. Wesh, abusé ça par contre. Alors... Le snipe était parfait. Je suis trop con. Je garde des objets en défense. Bon bah voilà, c'est terminé pour les objets en défense. C'est de la merde, il me fallait des champis absolument là. Elle va s'enlever toute seule la plante au bout d'un moment, non? Ouais, c'est ce que je craignais. On est bon, bravo les gens qui avaient prono la première place. Félicitations à vous. C'est 340 points dans la besace. Oh, ça va encore faire des égalités cette affaire. Je le sens. Et oui, du coup 1300 égalités entre Yamagic et Ikari. Vous êtes full prono 1? C'est des gens, c'est la team pool, full prono 1? Oh, le pays from.
Bisous, je m'envole. Bien vu le prono 1 sur cette game là. Imagine t'es 12ème et le jeu te donne la plante piranha et le bloops. C'est pas possible, on est d'accord. La première place a été nerfée? Non. Tu veux dire le prono première place? Non, il a pas été nerfé. Ah ouais, non, les full prono 1 sont en dessous. Oh, les gens, ils aiment pas le fromage. What the fuck, bizarre. Vous aimez pas la France? Bizarre. Mon Ebouli, excellente map de Nintendo 3DS. Franchement, vous voudriez pas vivre au Mont Ebouli, genre? Après, pas la partie où il y a de la caillasse qui te tombe sur la gueule, quoi, mais sinon. Bon, ni la partie où il y a des chauves-souris à l'intérieur, ok. Mais à part ça. Je suis désolé, mais ça a l'air stylé quand même. Aïe. Je le tente, hein. Hop, allez. Voilà. La première place, tout simplement. Pourquoi je suis deuxième? Il n'y avait pas deux man devant moi? Pourquoi? Et comment ça se fait que lui il est premier avec une étoile? Non mais what the fuck cette game? Il s'est pris un caillou? On dirait bien. Eh vas-y, pourquoi les foudres elles tombent toujours pile après que j'ai pris un objet? Eh vas-y. Ouais, derrière ils ont des objets, ils vont me niquer. Allez, le triple champi c'est maintenant, regardez bien. Déjà j'ai pas pu prendre de double objet, donc bizarre, mais... Regardez, ça arrive fort. Hop là, bizarre. Champi, ça sert à rien, je suis abattu. Apparemment, au Mont Ebouli, on a une chance sur 1 million de se faire mordre par une chauve-souris enragée, tout à fait. Bravo les gens qui avaient prono la 3ème place, félicitations. Je remets Athènes parce que les deux autres maps sont gerbantes, on a déjà fait Prairie Meumeu. Je comprends si les gens votent le gloop gloop. Je comprends si les gens votent l'aléatoire. Twitch qui se remet à faire n'importe quoi chez moi. Mais c'est une dinguerie ce soir les bugs Twitch là, ça arrête pas. Magikarp il a dit jeu de merde. Magikarp il est trop salé ce soir. C'est trop drôle. Et allez. Et allez, le parc gloop gloop. Ça, c'est une map où j'aimerais pas vivre, quoi. J'aimerais vraiment pas vivre au parc Gloop Gloop, par exemple.
sais pas pourquoi j'ai cru que j'allais avoir l'objet à temps. Je les ai pas vus les carapes. Double champix, tiens, tiens, tiens. J'ai appuyé trop tard, mais non. Je vais me prendre la rouge de la personne qui avait derrière. Vas-y, j'ai spawn sur un gars qui avait une plante et je me suis fait croquer. Hey, si on a joué à... On est 10 là ou on est plus? Je peux gratter une place. Ce sera un top 7 pour ma part. D'accord, là qui tue, le bot a fait top 3, hein, si jamais. Là qui tue, le bot a fait top 3. Voilà. Très grave, l'inquiétude très 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 chaud hein, quand même sur cette game. Hein. Ok, on va faire un deuxième tournoi. Hop, les. On est bien plus que 10 sur le live, je crois. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a marqué 10 spectateurs? Moi j'ai marqué 439. Moi j'ai marqué 439 là. Alors, Annick Girardin 189, je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Que en général, quand je crée un deuxième tournoi, les gens qui ont déjà joué, vous pouvez quand même essayer de rejoindre, mais attendez un peu. Genre, c'est-à-dire, attendez genre... je sais pas, 5-10 secondes après que j'ai mis le code, avant de commencer à rentrer le code. Comme ça, du coup, les gens qui ont pas du tout encore joué avec nous, ils sont prio. C'est plus sympa, pour que tout le monde puisse jouer un peu. Mais il y aura peut-être de la place pour tout le monde, hein, ou alors, enfin voilà. Vous pouvez essayer de revenir, même si vous avez déjà participé, mais juste que vous attendez 5-10 secondes pour mettre le code, quoi. J'ai mis les objets personnalisés, j'ai enlevé le bloops et la plante piranha, et je vous mets le code dans le chat tout de suite. Voilà, voilà. Hop. Twitch est encore en PLS, putain mais c'est pas vrai. J'espère que je vais être dédommagé. Là normalement si Twitch était pas en PLS, j'aurais eu au moins 1000 subs. Donc bah du coup j'espère que Twitch ils vont me filer l'argent quoi. Parce que c'est vrai que ça fait quand même une grosse perte financière pour moi. Je vais devoir fermer mon entreprise et tout à cause de Twitch quoi. Parce que normalement je devais avoir 1000 subs sur ce live. Dommage. La faute de Twitch hein, qui nous fournit pas un outil de travail en bonne et due forme. J'ai eu la même chose hier soir, mais en fait c'était mon navigateur et pas moyen de le refaire marcher. De quoi? Ah non, mais non, ça parle d'un truc. Ah oui, non, mais l'interface Twitch, moi j'ai eu ça quand on a fait le Mario Party, donc ça devait être avant-hier soir, je crois. On a tous eu des dingueries, hein, j'ai l'impression. 4, 8, 10, on est 10 pour l'instant, il reste 2 places. Il reste 2 places et attention, il y a un test de QI. Il y a un test de QI, je ne vais pas placer mon curseur pour ne pas influencer le test, bien sûr.
Mais là, il y a un vrai test de QI qui se prépare. C'est bien parce qu'avec cette image, on voit que Mario Kart 8, ils n'ont pas du tout favorisé les jeux de la Wii, en tout cas. Et ça, c'est vraiment pas mal. On voit qu'ils ont vraiment mis de manière équitable autant de jeux de GameCube, enfin autant de maps de GameCube, de Super NES, etc. Vraiment aucun favoritisme sur une console en particulier. Allez, let's go! Bon, vous ne pourrez pas faire le test de QI, je suis désolé. Essayez de rejoindre la room, hein. On va voir ce qui se passe. Ça, c'est un truc où je vais spec quelqu'un qui joue tout seul, non? Trop cynique, JD, Nintendo a pas aimé. Le multi est gratuit, t'as pas le droit de critiquer. Le multi est... coûte 20 balles par an, mec, en fait. Eh vas-y, y'a tout internet qui est en panne ou quoi? Je vais vraiment être spec là? En fait, y'a que moi qui me suis fait kick de la room. Ou alors c'était la... c'est le deuxième lobby ça. Yo JD, je viens de faire regarder 4 heures de tes analyses à mes parents, ils t'encouragent dans ton travail. Merci, c'est gentil. Alors je sais pas si c'est fait pour être regardé 4 heures à la suite par contre, mais c'est très très gentil. Bon, les anciennes ont un peu vieilli, mais écoute, tant mieux, ça me fait plaisir. Mais du coup, ça veut dire que je vais me retrouver avec les gens qui avaient déjà joué finalement. Là, je vais me retrouver avec les gens qui avaient déjà joué la fois d'avant avec moi. Ils ont adoré, t'inquiète. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. C'est fait pour être regardé 18h à la suite, les analyses. Non, en vrai... avec le rythme que ça a, c'est plus fait pour être regardé vraiment une par une, quoi. Par chance, je n'en sors pas beaucoup. Ouais, Twitch bug de ouf, Flid, ouais, ouais. Doom, 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 doom. Mieux 24 heures de JD que 24 heures de BFM. Ah, je sais pas. 24 heures où je parle des placements produits, là, let's go. Eh, je vais vous donner une info de fou sur ma prochaine vidéo. Dedans, je vais parler de placement de produits. Voilà. Comme dans toutes mes vidéos depuis 13 ans, évidemment. Ils ont eu le droit à BFM, le téléachat, Noël et SNCF. Ouais, ça va, c'est des vidéos que j'ai beaucoup d'affection pour ces vidéos-là. En vrai, c'est cool. Oh, y a un test de QI sur cette image. Tu peux nous dire le prochain sujet, on est entre nous. Bah tu sais que Palila Lila, je pense qu'en vrai, je le dirai évidemment pas le sujet de la prochaine vidéo, mais en fait je pense que de toute façon, il y a plein de gens ici qui voudraient pas savoir, je pense, et qui veulent pas se faire spoil. Donc en vrai, je ne vais pas le dire de toute façon, mais je ne comptais pas le dire de base. Hein.
Quelle map incroyable. Par contre, faut vraiment qu'ils mettent le dernier tour dans la nuit, là. Faut vraiment qu'ils fassent chaque tour, il y a une progression de la lumière. Mais je pense que ce sera pas fait, en vrai. Je pense que ça coûterait trop cher. Vas-y, j'ai appuyé sur le champi exprès pour me barrer. Et du coup, ça m'a collé, là. Je me fais bolosser par contre. Hein. Ok, au moins j'ai le droit à ça, c'est toujours ça. Non mais là le level est ultra élevé ou c'est moi ? J'ai ça en... Quoi ? Oh, la double verte en 4 ou 5, elle est malin quand même. Hein. Et bravo les gens qui avaient prono la 4ème place. Objectif 1000 subs, tu nous donnes le thème de la vidéo en avance. Ok. Mais par contre, c'est que des subs... C'est que des subs payés T1. Subs pas offerts, pas subprime. Mais vas-y. 1000 subs, ok. 1000 subs de chaque personne paye son propre sub, c'est ok. Après, je ferais peut-être un truc avant la sortie de la vidéo, genre un sub égale une info de merde qui sert à rien sur la vidéo. Désolé Magikarp, j'avais déjà voté. En même temps, je sais qu'il y a la méta, faut voter Royaume Sorbet, mais il y a ma map préférée du jeu. Donc je vote ma map préférée du jeu, désolé. En vrai, j'aurais préféré que ce soit Royaume Sorbet que de refaire Autodrome Royal, je le dis cash. Allez, Royaume Sorb. C'est Royaume Sorbet ta map préf. Ah non, je te garantis que non. Mais je sais pas si c'est la map que j'aime le moins de tout le jeu, Royaume Sorbet, en vrai. Pourquoi elle a explosé en l'air ma bombe? Pourquoi elle a pas explosé après avoir touché le sol? Ça a dû toucher quelque chose mais j'ai pas vu quoi. Ah oui, je suis dernier genre. Peut-être parce qu'on est sur une map de merde hein. Oh la map à chier. Oh la map est à chier. Eh, ça m'est jamais arrivé depuis que je joue à Mario Kart un truc pareil je crois. J'ai ça comme objet en plus. Non mais c'est catastrophique. Je peux même pas avancer. Mais putain mais c'est injouable. J'en peux plus. Vas-y, le Bill, il fait les pires détours possibles, what the fuck ! Oh, le Bill qui fait les... Je me suis pris une verte en 10, qui venait de derrière. J'en peux plus de cet objet. Non, refais pas pareil. Ok.
Je sais pas comment la jouer en vrai. Il va refaire les pires trages. Il va refaire les pires trages, évidemment. Bon. Le deuxième build était mieux. Bravo les gens qui avaient prono 5, hein, bien sûr. On continue avec une. Merci Razor Shark pour le 11e mois, merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, la 5e place est miraculeuse. Hein. Tu peux contrôler le build dans les virages maintenant. C'est vrai, genre légèrement, ou tu peux bien le contrôler, Alex? Je savais pas du tout. Pam 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 pam. Ouais, légèrement. Ok, ok. Il est bien. Merci RG pour ton 5e mois, merci beaucoup. RJ, pardon. Ok. Pim 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 pim, balin pim. Bon. Cut. J'ai pas osé être un bâtard, mais en vrai c'était broken, hein. C'est vraiment broken, hein, de mettre une carapace à ce moment là quand même. Je pense que je viens de l'aider, le man. Ouais, j'ai aidé le man. Corentin, tu peux me remercier. J'aurais peut-être dû garder... Ouais, j'aurais... Bon, de toute façon, j'avais déjà balancé la première avant de voir la bleue, mais... Disons que j'ai permis à Corentin de dodge cette petite carapace bleue. Et bravo les gens qui avaient prono la 2e place du coup, hein. Ça fait quand même 404 points, c'est pas mal du tout, hein. Il y avait des petites modifications dans le classement, du coup. De rien, Cumulonimbus. Et on va partir sur le passage feuillage.
Ok, salut Mystic Jaina. Putain, je sais pas pourquoi j'ai trop envie de faire la map mon festif. Je sais pas pourquoi. J'ai trop envie de la faire. Eh vas-y, j'ai appuyé tard pourtant. C'est une strat. C'est top 1 à la fin, c'est tout ce qui compte. Regardez, petit champion en 12 là. Bon. Je le sais, mais l'objet qui met 3 plombes à venir, tout ça pour une vieille carapace rouge. Elle est dure la game là, hein. Elle est dure. C'est pas fini après, mais bon, quand même. On va voir ce que fait Andy. Ah. Je suis un troller. Ok. On le tente pas, j'ai pas confiance. Je pense que je peux me prendre des trucs dans le cul trop facilement. Si je me prends rien, putain, je suis dégoûté. En vrai, j'aurais pu le tenter. J'aurais pu le focus, le Corentin. Il y aurait peut-être eu moyen. Bravo les gens qui ont encore prono 2 cette fois-ci. J'aurais pu le focus, mais bon, se dire personne va m'attaquer derrière, j'y croyais pas, franchement. Allez, on va prendre la last parce qu'on l'a moins faite, mais bon. Alors, putain, j'avais lu un message rigolo, voilà. Voilà 3 courses que je pronostique dans une course, le prono de la course suivante. La run précédente, j'ai parié 1, donc tu vas faire 1. Vas-y, on va voir. Quand tu essaies de dodge la bleue en tombant, mais que tu rates ton timing et que tu te prends et la qui tue et la bleue. Ouais, ça fait mal. Eh bien... Le pic des cas. J'ai eu du bol. C'est raté normalement. Ouais, c'est pas fou. Les rouges, elles mettent tellement de temps à atterrir sur ces zones-là, c'est fou.
Enfin, tout le monde prend le cut en fait, hein. Vraiment c'est... Vas-y, je le prends trop mal, c'est une catastrophe. Bon, par contre, je suis pas le seul visiblement. Pourquoi j'ai eu un... Ah oui. Ah putain, je pensais que ça passerait. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Vas-y. Ah merde! Mais non, mais quoi? Le boomerang il part derrière! C'est possible ça? Ah, le boomerang est parti derrière! What? Non, non, putain, pourquoi je suis unlucky comme ça? Pourquoi je suis unlucky comme ça en vrai? Laisse-moi passer! Quoi? Je suis arrivé. Quoi? L'avare? 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 Oh, bizarre. C'est bizarre, non? Bravo Thierry. On reprend nos 4. Salut Lina. Ouais. La seule fois où je prenais pas 4, il finit 4ème évidemment. Désolé. Non, pas cette route de mort. Aïe. Sixième course, ok. Bon. Bref. Il y a carrément eu des objets mieux que moi devant, non? Moi je voulais l'étoile à ce moment-là, hein. Ma game est catastrophique, j'arrête pas de low roll, j'en peux plus. Je prends toutes les pièces, j'ai déjà des pièces. Bon, ce sera un très honorable top 2, hein, en vrai. Allez.
Bravo les gens qui avaient prono 2. Ok, classement intéressant. Je rappelle d'ailleurs, pour les gens qui sont pas dans les 12 premiers, vous pouvez... 12 premiers, là. Vous pouvez quand même voir où vous êtes dans le classement si vous voulez, en allant sur pronocarte.com. Sur pronocarte.com, vous pouvez retrouver à la fois le classement de la session en cours, mais également tous les classements précédents et les classements par trimestre, par saison, par année et global. Voilà. C'est pas le moment de faire les pronos, bourre. Il faut attendre qu'il y ait le petit écran qui dit que les pronos ont commencé pour faire les pronos. Je ne souhaite pas voir mon pitoyable classement. Terrible, Magikarp. Je vais aller regarder pour toi, Magikarp. Ce sera sur Athènes encore. Let's go, je kiffe cette map. Pronocarte.com. Ctrl F, je sais pas si ça marche, Ctrl F dessus. Ctrl F, Magikarp. 35e. T'es 35e sur... Et combien de personnes ont gagné des points pour l'instant? 74 personnes ont gagné des points pour l'instant, t'es 35e, Magikarp. Ça va, t'es dans la première moitié du tableau. Et encore, on sait pas combien de personnes ont fait des pronos au total. Parce qu'il y a aussi des gens qui font des pronos sans gagner de points, évidemment. Malheureusement, des fois, ça prono toujours une place à côté. Des choses qui arrivent. Genre... Oh les objets. Ah oui, je suis premier, d'accord. Ça va. Je comprends en fait. Ah merde. Ok, on peut tenter le cut. Putain. Oh vas-y, stop un peu l'acharnement là, ça se fait trop pas. Ouais, mon cut est totalement niqué parce que je me suis pris 40 trucs. C'est abusé, j'étais premier. J'ai été premier. Bah, qu'est-ce qui s'est passé, Spoum, à la fin? Magikarp, t'as pas le droit de dire qu'il y a une PS5 à gagner. Il y a rien du tout à gagner, on rappelle. Vraiment rien. Test de QI. Ok, d'accord. Ok, 3 personnes ont échoué. J'ose le dire, lamentablement, 4 personnes ont échoué lamentablement au test de QI. Peut-être 5 personnes ont échoué lamentablement au test de QI, c'est très très grave. On a le choix entre une map banger absolue et une des pires maps du jeu. Ok, c'est bon. Pouh, on a eu chaud. Allez, 8e course.
Ok. Mais ouais, du coup, Chrono Kart, c'est juste un jeu qui sert en fait à... Pour répondre à la question dans le chat, Chrono Kart, c'est un jeu qui sert à rendre les streams sur Mario Kart un peu plus interactifs. Parce que comme jouer juste à Mario Kart avec les viewers, c'est quand même quelque chose d'assez banal. On a décidé de mettre un petit jeu dans le jeu, à savoir que les gens puissent faire des pronostics sur la place que je vais faire à la fin de chaque course. Il n'y a absolument rien à payer et rien à gagner. C'est vraiment juste à la fin du stream, on regarde qui a accumulé le plus de points durant la session. C'est juste un petit bonus pour que le chat puisse jouer aussi, même si vous jouez pas dans la room avec moi, vous avez quand même la possibilité de faire une petite activité quoi. Putain. Très grave ça par contre. Et ça dépend pas des points de chaîne, effectivement, ça n'a rien à voir avec les points de chaîne, tout à fait. Terrible. J'utilise maintenant, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais. Ah. Ah non, ça va être pour moi. Troisième. Bravo les gens qui avaient prono. La troisième place. Bien sûr, Magikarp, bien sûr. Bravo, Ikari, Ima, Elpis, Rémi, Mister Skewcott, Bourg et Siali. Bravo à vous. Bon, on a déjà fait Pays Crépuscule il y a vraiment pas longtemps. Il y a le désert Calimari. Faites vos choix. Faites votre choix. Alors. D'accord. Les gens qui choisissent Promenade Toad. Vous savez que la première fois que j'ai joué à Promenade Toad, Mario Kart 8 sur Wii U n'était pas sorti. Et je vous jure, c'est pas une connerie. La première fois que j'ai joué la map Promenade Toad, c'était... Je ne sais plus à quel salon... Ou quel événement de type Japan Expo, Paris Games Week, de ce que tu veux. Mais il y avait un stand où il disait « Hey, le prochain Mario Kart, ça va être ça. » Il nous faisait jouer sur une seule map. Et c'était Promenade Toad. Quelle erreur. Oh putain. Donc c'est très probablement la seule map... à laquelle j'ai joué il y a plus de 10 ans. De tout Mario Kart 8. C'est parti. J'aurais peut-être dû aller chercher l'objet en vrai. Je suis mitigé là. En fait, j'ai envie de garder la pièce au cas où il y a un bout. Ouais, non, hein. Wow. Putain, ce virage, je le passe mal en 150, hein, en vrai.
Mauvais timing pour ça. Oui, les petits propos portés au rang d'art suprême du rire. Merci Reddy pour ton 27e mois, c'est ça, 27 mois, ouais, merci beaucoup. Merci, merci. Très gentil de ta part. Normalement, j'aurais pu aussi me défendre de la deuxième carapace avec la bombe, mais j'ai pas réussi. C'est quoi qui te plaît pas sur Circuit Todd, sur Promenade Todd, tu veux dire? Je sais pas, j'aime pas énormément la, j'aime pas la le tracé de la map en fait, surtout j'ai l'impression. Le tracé, la musique. Voilà, j'aime beaucoup les trois maps. Allez. Le tracé, la musique, je sais pas. L'ambiance, en vrai, je sais pas. Je suis vraiment pas fan de cette map, elle me saoule. Mais peut-être c'est que j'ai trop. Peut-être que le fait de l'avoir autant fait joue aussi, en vrai. Et le fait qu'il y ait Todd dans le nom, bien sûr. Bon, d'accord. Circuit Yosh. Let's go. C'est parti. Ouais. Ah ouais? Non mais genre la carapace elle va par là après. Vous voyez bien que le jeu il envoie les carapaces n'importe où. Vous allez pas me dire que les carapaces sont pas télécommandées. Comment la personne avec l'étoile peut être plus lente que moi, ça dégoûte. Ouais. Ah, je suis partagé là. Allez, vas-y, je vais utiliser les trois. C'était vraiment le moment où avoir un champi aurait été bien ici, évidemment. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Ouais. Il va me faire chier, lui. Ils sont pleins de bonne volonté. Mais il faudra les surveiller comme le lait de brebis sur le feu. Je sais pas du tout qui c'est. C'est Emo. Merci Emo pour le raid. Merci Emo pour le raid. Bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé dans mon stream. Vous étiez sur quoi? Vous étiez sur quoi, les amis de chez Emo? Codenames, Emo sort d'un live de 24h. Oh la vache! 24h, ah ouais! Et ça a terminé sur du Codenames, ok.
Eh hey, mais Emo, faut dormir, hein. Attention, hein. C'est quoi, ça? Un sabaton, d'accord. Waouh. C'est des trucs que j'ai jamais fait, moi, ce genre de... Des très longs lives prévus dans le but de... J'ai jamais fait. C'était pour fêter les 1000 follow. Ah, ok. Allez, traversée de Tokyo, vous pouvez faire vos pronos à partir de maintenant. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, qui viennent de chez Emo, on joue à Mario Kart avec les viewers, mais on joue aussi à Prono Kart. Le but, c'est de faire des pronostics de la place que je vais faire à la fin de chaque course. Et ça se fait dans le chat en faisant point d'exclamation prono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est totalement gratuit et il n'y a rien à gagner. Ça n'utilise pas vos points de chaîne, ça utilise des points à part. Et à la fin du stream, on regarde qui a remporté le plus de points. Et la personne qui a remporté le plus de points a gagné, tout simplement. Désolé pour celles et ceux qui sont là très régulièrement, je réexplique très 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 souvent le Prono Kart, j'espère que ça vous gêne pas de m'entendre autant me répéter. Mais je suis un peu obligé pour essayer de faire en sorte que les gens ils se sentent à la maison quoi finalement. Hein. Que les gens se disent ah ouais ok c'est tout simple en fait. Mais on gagne quoi? Rien. Vous gagnez le droit d'être premier du classement sur le classement si jamais vous êtes premier. Mais sinon rien du tout. Il n'y a même pas des croquettes pour chat ou quoi. Vraiment rien, quoi. Je suis désolé, en vrai. Niveau budget, je suis un peu court. Ah! Elle me fait vraiment chier, cette bombe. Elle était vraiment bien placée, en vrai, bravo. Et ben, très bonne game pour moi pour l'instant. Je trouve ça pas du tout injuste en plus, donc c'est cool. Oh, le champion 9 et je me prends une banane qui sort de nulle part. Oh, vas-y, c'est trop. C'est trop, hein. On est d'accord que c'est trop, là. Pourquoi encore des champions 11e? Il faut arrêter un moment, hein. Je peux avoir un double, là? Non. Et une rouge? Oh putain, je me fais shooter par une vieille bleue. C'est ma pire game. C'est ma pire game. Je suis désolé, Jellax. J'ai besoin de gratter une place. Wouah! Bravo, bravo, Nascal, Basilico, Tabarnak, Chéri, Pakit, bravo pour votre prono 9. Il était ambitieux et ça vous permet de grimper dans le classement. Regardez ça. Pakit qui prend 18 places dans le classement et Chéri92 qui prend 14 places dans le classement. Félicitations, bravo. On a déjà fait le Mont Ebouli, mais il est cool. Mais vas-y, je vote Routrube. Ça va bien faire remonter la cote du Prono 1, tout à fait. Tout à fait. J'ai dit qu'il veut même pas faire un peu craquer la commu. Alors qu'il cache des millions d'euros sur des comptes en Suisse, ça dégoûte. Non, tu m'as confondu avec Bribri. Et ce sera la Routrube. Ok. On joue en 16 courses, donc après celle-ci, il en reste... Oh, merde. Après celle-ci, il en restera 4. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Parce que moi, je pars pas sur un marathon 24 heures, a priori. C'est un petit live chill, mais j'ai beaucoup live cette semaine, du coup. J'avais prévu de faire un live pas trop long. D'ailleurs, je rappelle, s'il y en a qui viennent de chez Emo, qui ont l'habitude de suivre Emo chez les Rolus et tout ça, demain, je ne serai pas là. Je serai peut-être même pas en stream, je ne sais pas encore, mais en tout cas je ne ferai pas le Among Us. Je ralentis un petit peu les Rolus en ce moment. Je vais sûrement faire une semaine sur deux. Appelé. Mais vous pouvez continuer à retrouver du Among Us sur cette chaîne tous les mardis soirs par contre. Ça bouge pas.
Elle est chiante cette route. Parce qu'elle ressemble à un ruban en fait, je sais pas si vous avez la ref. Enfin, je sens la foudre et en même temps pas trop. Vas-y, j'utilise. J'ai eu un coup de stress, mais en vrai je pense que la foudre va être un poil plus tard et je vais avoir le seum de fou. J'ai eu une banane en 5. Est-ce que le jeu peut arrêter de se foutre de ma gueule, pitié? J'ai mis une banane assassine, ça a marché. Ça c'est cool. La foudre, ça va être peut-être bientôt là. Oh les objets de merde. Oh je l'ai eu. Ok, un bon top 2. J'ai quand même très bien joué sur ce dernier tour, je suis très fier de moi. Wow, Nascal qui se remet bien une nouvelle fois, incroyable. T'as décidé de remplacer le créneau du Relus par autre chose? Non, parce que Relus, je ferai quand même une semaine sur deux. Donc je sais pas encore, on verra. Super, j'ai mis 2 tout le temps sauf là. Ah, je suis désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est 11. Ok. Hop, les. Non. Ok. J'ai eu peur. Vous pouvez faire vos pronos. Bon, du coup, les cotes vont redevenir à peu près normales. Ouais, c'est ça. Hein. Les cotes sont à peu près normales. Je me suis fait giga baiser parce que les objets ils mettent 3 heures à arriver. Du coup j'ai pas pu me libérer un slot. Enfin je crois que c'est pour ça, peut-être c'était pour autre chose mais... Ah ouais, les éponges, c'est quand même un vrai cut, genre. Genre, il y a vraiment une grosse plus-value. Oh putain, j'ai pas de bol quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme objet hein? Double rouge, c'est vraiment pas mal. Mais il va falloir faire attention. Ah, j'ai hésité. Ah, les rouges, j'ai l'impression, elles vont pas... Oh, l'enfer. Pff. Les rouges, elles se font arrêter sur ce cut. Putain, je suis 12ème. J'étais premier toute la game, bien sûr. Non mais pourquoi je me prends des... C'est pas le 12ème qui est censé avoir la foudre, vous pouvez pas laisser l'exclu foudre au 12ème genre? Non mais c'est abusé. Je sais même pas si c'est OP de passer par là quand on peut prendre le cut.
Visiblement un petit peu. J'ai bien remonté, hein, parce que franchement, j'étais vraiment dans la méga merde. Bravo les gens qui avaient tenté le prono 5. Magikarp, c'est trop... Magikarp qui dit dans la matinée, j'ai fait une rando de presque 2 heures. J'ai des crampes. Pour me requinquer, j'ai pris du thé. J'ai fini par avoir les crampes thé. Waouh. C'est un jeu de mots. La route Rubandef. Pas mal, la route Rubandef. Eh, Toadette, gros niveau apparemment, hein. Va falloir s'en méfier. Avant dernière course, déjà. Ah merde, je pensais réussir à le dépasser. Le petit Gelax. C'est de la merde d'avoir cet objet-là à ce moment-là. Voilà pourquoi. Pff, terrible. Ce premier tour est catastrophique pour moi. On est sur une bonne 12e place. Enfin, 11e, parce qu'il y a Toadette qui n'est peut-être pas si forte que ça, en fait, hein, finalement. Toadette qui est quand même un petit peu derrière, on va pas se mentir. Je l'ai peut-être un peu surestimé. Oh, le pas d'objet en 11e, il est dramatique, en vrai. Non. Je vais me la prendre, de toute façon, bah oui. Forcément, c'est pour ma gueule. Comment on fait? J'ai même pas de Solus en vrai là. Et en plus le champi doré il m'a lock mes deux objets. Et devant il a un build en fait. C'est vraiment... C'est très très chaud là pour moi. Et ça me focus avec des bananes en 10. Hein. Comment on va s'en sortir en vrai? Non mais sans déconner. Faut commencer à réfléchir à des solutions là. Wesh. C'est injouable. Oh, l'objet dont on en a rien à foutre. Oh, la carapace bleue en fin de game. Tu sais que ça va toucher personne. Et heureusement, les autres, ils étaient loin derrière parce que là, oh là là, oh la catastrophe de cette game. Bravo les gens qui ont retenté le prono 9. Il fallait oser. Oula, ça va peut-être faire bouger le top 3, ça. Ça va peut-être faire bouger le podium. Ouais. Noctisum qui prend la tête. Et Astigé qui rentre dans le top 3 également, sur le podium. Juste alors qu'il reste que 2 courses après celle-ci. C'est fou. Et j'ai eu une game tellement unlucky, même si j'ai pas hyper bien joué non plus, mais je me suis quand même bien fait Mario Karter la gueule. Bon, tout est encore possible techniquement, mais voilà. Il va falloir marquer des points là. Les gens qui ont campé les premières places pendant toute la soirée et qui se retrouvent juste à la fin dégagés du podium ou de la première place. Putain, on vient de la faire. On vient de la faire. Qui a voté ça? On vient de le faire. Une Ruban Def, hein.
Ah, ce champi là, il est pas mal. Il était pas mal. Il était pas mal. Il était vraiment bien. Il avait vraiment du potentiel pour cutter ce virage là. Ce très très long virage, mais bon. Tandis que ce champi là, il a aucun potentiel. Vous voyez, par exemple, il sert à rien. Oh, les objets catastrophiques. Qui ne me protègent absolument pas des carapaces en plus. Non. Je sais pas pourquoi j'ai mal visé. Eh hey, mais ça va les champis là le jeu. Oh, y a un bug hein. Ah mais aussi c'est parce qu'on a désactivé deux objets, le bloop c'est la plante piranha. Et du coup, ça favorise beaucoup l'apparition des champis, je pense. J'avais pu penser à ça. Le premier là, Yoshi bleu, t'es chaud hein, quand même. Hein. T'es chaud hein. C'est qui Yoshi bleu? Spoom. T'es très 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 chaud Spoom là. Hein. Tellement loin devant, tellement une frontrun incroyable en vrai. Oh, il y a plein de gens qui se mettent bien là au niveau des points. Je crois que Noctisum est en train de s'installer sur le siège de la du top 1 hein, par contre. Hein. Ah oui, du coup on est moins nombreux parce que c'est vrai qu'on avait commencé... On avait commencé en décalé. Ouais, Noctisum qui a l'air de... Putain, et Astic a regratté une place. Oh là 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 là. Mes points, j'ai Prono 2. Ouais. Tu les as eu tes points? Oui, t'as eu tes points. Tout va bien. Attendez, j'ai pas regardé combien on était du coup. On est 6, c'est ça? Ouais, on est 6. Hop là. Alors, les codes vont être légèrement modifiés en fonction du nombre de joueurs, bien sûr. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, les dernières places, ça valent un peu plus parce qu'il y a plus de bots. Du coup, voilà les cotes. Ah, il y a des gens qui gamblent Prono 12, Prono... Ah ouais, je vois. Je l'ai pas vu venir. Putain, mais elle vient d'où la carapace? C'est ouf. Oh, Luigi va m'embêter. Oh, je me suis pris ma propre bombe. Elle était bien placée, mais... Elle était tellement bien placée que je me la suis prise aussi. Eh, le Prono 12 est peut-être pas si bête, hein. Non, il va pas y avoir de foudre. Hein. Non, j'y crois pas. Ça
C'est vrai qu'on peut le manier un peu, j'ai l'impression, peut-être, ouais. Ouais, on peut le diriger un peu, putain, c'est fou. Je savais pas. C'est broken en vrai comme truc. Oh la pièce de ses morts, ça dégoûte. Je pense pas qu'on arrivera à récupérer le deuxième. Bon, le premier c'est sûr que non, mais... À moins qu'il se fasse backspam à la fin, à mon avis. Non, il manque pas grand chose, mais impossible de rattraper ce bon vieux Lemmy, si je dis pas de bêtises. Larry, je sais jamais lequel c'est. C'était bien Lemmy. Ouais, Lemmy. Lemmy. Voici le classement final. C'est Noctisum qui l'emporte pour aujourd'hui, suivi par Asti, suivi par Chéri, suivi par Ima, suivi par Ju, Petite Loutre, Pakit, Yamagi, Kikari, Basilico, etc. Si jamais vous voulez retrouver l'intégralité du classement, si vous n'êtes pas dans le top 12, que vous ne l'avez pas vu à l'image, ou que vous l'étiez mais que vous voulez revoir, eh ben, vous allez sur pronocarte.com, tout simplement. Pronocarte.com, vous avez tout. Ok. Je vais regarder, je vais jeter un œil au classement. Voir combien de personnes ont gagné des pronos aujourd'hui. Charger 50 de plus, on dépassera pas. Ouais, 99 personnes ont gagné des pronos aujourd'hui, ont gagné des points aujourd'hui. Donc au moins un prono de juste, 99 personnes. Et on a une seule personne au-dessus des 3000 points, c'est Noctisum. On a 5 personnes au-dessus des 2000 points et quand même 22 personnes au-dessus des 1000 points. Félicitations. Bravo tout le monde. Bon les amis, je vous rappelle que j'ai sorti un best-of hier. Non, j'ai pas codé ça tout seul, c'est DrawRunner qui a codé PronoCart, et un grand merci à lui, encore une fois. Je vous rappelle que j'ai sorti un best-of hier et que vous pouvez y accéder tout simplement en faisant point d'exclamation best-of dans le chat. Voilà, Petite Loutre vient de le faire, et il y a donc le lien vers le best-of. C'est un best-of sur Fall Guys, mais c'est pas tant sur le jeu que sur le fait de faire des vannes avec les copains. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à regarder la vidéo si vous savez pas quoi faire. Ça peut être très sympatoche. Du coup on se retrouvera peut-être demain pour un stream qui ne sera pas du Among Us ou pas, peut-être que je ne streamerai pas demain, franchement je n'en sais rien, on verra. Bah écoutez, je vais vous envoyer chez Orti, je pense. Ouais, on va faire ça. Je vais vous envoyer chez Orti. Tchou. Oh, ou alors il y a un let's play. Oh, un let's play. Sinon, j'ai une plus petite chaîne. Plus petite chaîne qui fait un let's play. Luigi's Mansion 3. Qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'essaie juste de voir à quel étage la personne en est. Putain, c'est quoi cet étage? Ah, ça doit être le deuxième. Ouais, c'est le deuxième étage. Allez, alors, c'est une streameuse qui a pas énormément de viewers, mais ça va, on n'est pas très nombreux après. Mais il y a 20 viewers, donc je pense que, je sais pas si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un peu plus de monde dans son chat. Donc soyez très sage avec la personne que je vais raid. Voilà, si vous voulez découvrir un petit bout de let's play sur Luigi's Mansion 3, c'est vraiment un très très bon jeu, c'est un de mes préférés. De la Switch. Donc voilà. Et puis bah je vous dis, soit à demain, soit à lundi, soit à mardi, selon le moment où je ferai mon prochain live, tout simplement. Puisque je ne sais pas quand ce sera. Mais en tout cas, passez un bon week-end, une bonne soirée, de gros bisous, à bientôt.
Ciao.